Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que la luminosité sera pas trop dérangeante et que j'arriverai à l'augmenter avec mon logiciel parce que en ce moment il ne fait pas beau et le temps est tout gris. Mais voilà, il faut quand même réussir à tourner et tant que j'aurai pas mes spots, je pourrai pas avoir trop le choix. Donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test. On se retrouve encore pour une série des tu préfères, mais sauf que cette fois-ci, on va changer un petit peu par rapport aux précédentes. Ce ne sera pas que des tests les filous, mais on va tester deux produits quasiment pareils mais de marques différentes. Donc, on va comparer le 8-in-1 que nous adorons avec les filous. Donc, c'est sur une base de filet de poulet. Donc, on a en premier le filet Proactive de chez 8-in-1, donc friandise au poulet de qualité supérieure enrichie aux glucosamines en chondroïtine, favorise la mobilité. Et de l'autre côté, vous avez les chicken breast de chez les filous, donc les escalopes de poulet. Dans celui-là, vous avez 80 g, celui-là, vous avez 100 g de produit. Donc, au niveau de la composition, on a viande de poulet, glycérine, sel, sorbate de potassium pour les filous. Et de ce côté-ci, nous avons viande et sous-produits animaux, viande de poulet à 80%, extrait de protéines végétales, céréales, substances minérales, mollusques et crustacés, glycérine et sorbitol. Donc, qui a l'air un peu plus mieux de ce côté-ci, avec seulement 3 ingrédients. Là, il y a un petit peu plus de sous-produits animaux et des céréales pour ceux qui n'aiment pas, mais pourtant ils disent quand même que c'est de qualité supérieure. Donc, on va comparer vraiment les deux. Donc là, vraiment, vous avez un 100% filet de poulet, comme ça, qui est séché. Donc une grande lamelle. Et de l'autre, vous avez des plus petites lamelles de poulet avec un cœur, avec des compléments alimentaires apparemment à l'intérieur. Donc voilà apparemment la partie qui est plus mollusque. Et on sent pas plus que ça. Donc on va tester tout de suite avec le loup, voir ce qui, lesquels il préfère. Donc on a les filous d'un côté, les 8-in-1 de l'autre. Amaury, assis. Assis. Tu sens. Tu sens. Non, attends. Tu veux lequel? Tu veux lequel? Vas-y, attends, prends. Donc Amaury a pourtant jeté la taille du, les filous, mais il a préféré la version 8-in-1. Donc j'ai repris un de chaque. Tu sens. Tu sens. Ok. Le 8-in-1 a encore plus d'intérêt envers Kitty. Ah si, tu sens. Tu sens. Tu sens. Ok. Alexis, à mon avis, c'est plus plaire à la gourmandise. Elle a vu la taille de la friandise, elle s'est dit, on va prendre celui-là. Tu sens. Tu sens. Doucement. Tu veux quel? T'es sûr? Et donc Lady aura pris le 8-in-1. Amaury qui vient déjà chercher un autre morceau. Vous savez, elle me lâcher les pieds pendant longtemps parce que celles des filous sont vachement grandes. Donc voilà pour le bilan. Donc les chiens ont à la majorité choisi le 8-in-1. Seulement Lexi aura choisi les filous, puisque à mon avis c'est plus à la vue la grande taille qui s'est présentée à elle. Mais il n'empêche que ces deux marques sont restent de très bonnes marques et que c'est quasiment du 100% naturel. Même si chez 8-in-1 nous vous retrouvez du céréal et quelques sous-produits animaux. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc encore un petit comparatif qui j'espère vous aidera à découvrir des marques, des friandises ou encore à savoir quel genre de friandises les chiens ont tendance à préférer. En tout cas, le poulet est vraiment bon pour les chiens de manière générale. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Bisous !